Vous regardez RTL. Alexandra Lamy a réussi à apprivoiser un renard. Elle l'élève aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Et c'est votre sœur qui nous l'a raconté. Ah oui, je me rappelle. Mais d'où ça sort ? Faut pas trop le dire. Si en ce moment, c'est une période de chasse. J'ai peur qu'on me tue. Et en plus, on n'a pas c'est le droit. C'est à cause de votre sœur. C'était le cas tout balancé. Bah non, mais parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable cet été, parce que c'est extrêmement rare d'avoir un renard qui s'approche d'une maison. On est une maison dans le sud. Et puis, j'ai eu un petit renard qui venait tous les soirs. Et évidemment, tout le monde. L'a adopté un peu. Alors évidemment, on lui laisse quand même la liberté parce que c'est quand même un animal sauvage et qu'il ne faut pas le laisser quelques poules. Mais c'était trop mignon, c'est trop mignon. Et là, c'est l'ouverture de la chasse. Je ne le vois plus. Ma mère m'a dit qu'elle l'avait vu il y a 3 semaines, 1 mois. Donc j'espère. Mais il paraît que ça hiverne. Alors je me suis dit, j'espère. Sinon, regardez Avenue Montaigne, il est peut-être sur un manteau. Ouais, c'est ça. Parce que les chasseurs, en plus, à chaque fois qu'ils ont du sanglier, me ramènent à chaque fois une cuisse de sanglier parce qu'ils ont du plein. Et j'ai tellement peur qu'ils me ramènent un. Ça s'appelle comment ? Ça serait horrible, je vais en pleurer. Quel est son prénom ? Il a un petit nom, c'est Gaspard. Gaspard le renard. Gaspard le renard. Gaspard revient. Trop mignon.